D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un petit pack opening. On va également attaquer un petit peu pour avoir un petit coffre à couronne. On n'a pas de coffre de clan encore. On l'a dans 2-3 jours. Un peu moins de 3 jours. On a également un petit défi. Ouais, ce serait bien que je l'avance. Je vous ferai. Le pack opening du coffre, enfin je ferai l'ouverture du coffre en vidéo sans souci. Du coup je vais laisser ça comme ça. Là j'ai 10 cartes, déjà j'ai 10 cartes, je crois que c'était offert. Je sais pas si c'était 50 gemmes ou 100 gemmes ou si c'était offert le défi, mais je crois que c'était offert me semble-t-il. Donc bah tant mieux. Alors juste les quêtes, on a un petit coffre, coffre en or, on commence direct. Allez, coffre en or, 209 d'or. On a ensuite un gobelin à sarbacane, 16 gangs de gobelins. 21 fuir squelette et pour finir nous avons 3 béliers de combat, ça roule. Oh, on a un super coffre magique, tiens j'aurais dû le faire plus tôt. Mais dans 500, là il me faut 500, excusez-moi, il me faut 500 points de quête et j'aurai un super coffre magique. Donc coffre gratuit, j'ai également un coffre gratuit, on a pas mal de coffres. Hein. 94 d'or, pardon, un golem de glace, 12 géants royal, ça roule. Donc déjà des points de quête en plus, il m'en faut encore 445. Gagner 6 couronnes dans le défi de la mort subite. Ok, on va essayer. Récupérer la récompense, 3 bombes, plus 10, ça roule. Mais vous savez quoi, on va faire le défi. On va ouais, juste ouvrir un petit coffre en argent et puis on va faire le défi. Comme ça, on va faire quelques... On va gagner 20 points de quête et 20 gemmes, donc c'est plutôt cool si on y arrive. Donc 80 d'or. Une cabane de gobelins. 12 de fusil squelette, ça roule. Il me reste encore 3 coffres à ouvrir, 4 peut-être avec le coffre couronne. Donc là on va attaquer, on va chercher au moins 2 couronnes pour ouvrir le coffre à couronne, ça serait cool. Comme ça, ça nous ferait 4 coffres encore à ouvrir, en tout. Ok, donc là c'est un extra x2, ah c'est mort subite, c'est vrai. Donc là si on réussit, enfin si on détruit une tour, c'est bon, on a gagné. Ah, il faut faire quand même 6 couronnes, c'est vrai qu'il faut faire 6 couronnes, ouais c'est chaud. Du coup ouais c'est chaud parce qu'il faut que je fasse 6 victoires pour réussir. Ah c'est chaud hein, mine de rien. Excusez-moi. Un petit peu malade en ce moment, du coup, j'ai un petit peu mal à la gorge, je pense que ça s'entend à la voix. Là, je mets le ballon, on met la princesse ici, je prépare les flèches. Est-ce qu'on va réussir? Oh non, par contre, là, j'ai mis les gobelins pour rien, parce que là, du coup, oh, c'est bon, on a gagné. Donc là, on a déjà une couronne, ça, c'est cool. Ben, vous savez qu'on va attaquer, on va essayer d'attaquer d'affilée. Donc là, déjà, il me faut encore une couronne pour avoir le coffre à couronne. On va essayer de faire un maximum de... Donc là coffre à couronne, ouais, il m'en faut encore une couronne. Donc on va essayer de chercher cette couronne déjà. Et puis après si c'est vraiment rapide comme celle-là la game, il y a moyen d'aller chercher peut-être 6 couronnes pour avoir 20 gemmes et 20 points de quête. Bah après c'est des points de quête donc y a pas de coffre à ouvrir. Mais bon ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Donc alors la princesse. Ok ça joue PK. On met le ballon. On met le canon. Les gobelins. Ça va être chaud là. Ça va être chaud là, ça va être très très chaud. Ok pour l'instant ça va. Bon, il a quand même bien joué, il a quand même bien joué au départ. Donc là on va tester. On va mettre la princesse. On va mettre la princesse. Je pensais faire un petit jeu en ballon, mais au final on va mettre la princesse. Du coup là j'ai un ballon à gauche. On tente. Hein. On tente. Et je crois que ça va passer. Hein. Je crois que c'est... Oh, quoique, je sais pas. Yes, ça c'est bon. Ah non, ça passe pas. Ça passe pas, il a bien joué. Ça c'est bien joué de sa part. Donc. Ouh, par contre, faut que je fasse attention à gauche. J'ai pas fait très attention. Et on met les gargouilles. Allez, la horde. Les gobelins à lance. Ah, dommage. On n'est pas loin, hein. On n'est pas loin du tout. C'est une game quand même assez serrée. Hein. C'est une game assez serrée. Hop là. Ok, nickel. Ouh, oh là là. La horde, il va mettre le sorcier, on va mettre les gobelins à droite, j'espère que ça passe.
Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Ouais, non. Ça va être chaud, là. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Là, c'est une game série. Hein. Là, il reste 187 points de vie. Je crois qu'il a la bûche. Il a la bûche, donc c'est vrai que c'est chaud. Ouais, de toute façon, il a le sort de poison. Donc là, c'est gagné pour lui. Victoire. Non, on n'est pas loin. On est quand même pas loin. Mais il a bien géré, il a su bien gérer. Donc là, on va attaquer juste pour chercher la couronne. Et puis, on va pas chercher les 6 couronnes. Je le ferai prochainement hors vidéo. Et puis après, on ouvrira le coffre de défi, bien sûr, en vidéo, sans souci. Mort subite, allez, c'est parti. Donc là, je trouve que ce défi, il est pas mal. Je trouve qu'on devrait l'avoir tout le temps, ce défi-là. Enfin, pas en tant que défi, mais en tant que mode de jeu normal. Je trouve ça plutôt cool. Genre, faire un mode spécial avec un classement dessus, ça pourrait être vraiment cool. Parce que vu que c'est mort subite, bah, il n'y a pas trop de. Enfin, il y a une tactique, bien sûr, il y a une tactique. Mais c'est vrai que c'est assez rapide et que bah, je pense qu'il y a plus de chances de gagner. Plus de chances de gagner que si vous étiez en mode leader. Où là, vraiment, c'est les trophées qui jouent, c'est le niveau de vos troupes qui jouent. Excusez-moi. Alors que là, bon, pas forcément. Même si le niveau des troupes. Ouais, donc là, par contre. Là, par contre, c'est pas bon, là. Il a mis l'armée de squelette. J'ai pas fait gaffe. J'avais pas les flèches, du coup c'est tombé. Allez, on va chercher quand même une petite couronne, ça serait cool. Allez, là par contre, si on perd, on n'a pas de couronne. Hein. On n'a pas de coffre en or. Allez, allez. Ce serait quand même intéressant d'ouvrir un coffre en or en plus. On est contre un Français en plus, là, Mamat. Mamat, très 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 stress, pardon. Allez, j'espère qu'il a pas les. Oh, yes. Par contre, il a les esprits de feu. Ça m'embête un petit peu les esprits de feu. Donc là, ouais, c'était plutôt bien parti. Il avait mis le chevaucheur de cochon et puis j'avais mis les barbares, mais j'avais mis le ballon trop tôt. Je ne m'attendais pas à ce qu'il mette sa petite horde juste après. Donc là, je crois qu'il va beaucoup jouer le chevaucheur. Vu comment il est parti, je crois qu'il va beaucoup jouer ce chevaucheur. Ok, moi bon, j'attends un petit peu, j'attends un petit peu. On va mettre le géant. Oh, quoi, quand même pas. Même pas, on va mettre déjà un ballon à gauche, direct. Mais je crois qu'on est bien parti là, on est bien parti. Je sais pas s'il va défendre. Oh, les esprits de feu qui vont pas servir à grand chose. Donc voilà, moi j'ai un ballon. Si je le mets bien, il est efficace. Donc là voilà, efficace. En 1 minute 10, on a réussi à gagner. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là c'est bon, on a donc une couronne en plus, on va ouvrir ce petit coffre à couronne. Ah prendre j'ai 100 1000 d'or pardon, 1000 d'or en plus, ça c'est cool aussi. Donc là coffre à couronne c'est parti, on a quoi? 628 d'or, 2 gemmes, 22 gobelins, 23 fûts à squelette, 29 zap, une épique, non même pas d'épique, 8 machines volantes, bientôt niveau 8, ça c'est cool. Allez coffre à non. 279 d'or, 9 gargouilles, 12 esprits de feu. 16 de fût à squelette et pour finir nous avons 4 mousquetaires. Niveau des quêtes, ok. Bon d'accord le temps. Ah ok, ouvrez 10 coffres. Ah ouais c'est vrai que. Ok d'accord, j'ai quand même gagné 400 d'or et 20 points de quête, donc c'est plutôt pas mal. Allez, il me reste du coup 4 coffres à ouvrir pour avoir cette quête là. 89 d'or. Un extracteur. 12 géants royaux. Ça roule. Et dernier coffre en argent, c'est parti. 70 d'or. Un extracteur. Et 12 fûts à squelette, ça roule. Bon, je crois qu'il n'y a pas d'autres coffres à ouvrir. Donc là, ce défi-là, je vais essayer de monter un petit peu plus. Ça serait cool de monter un petit peu plus que 2 victoires. Surtout que c'est un défi assez, bon, pas simple, mais je trouve sympa. Au niveau de l'or, on a 63 000 bientôt. J'ai augmenté le géant, je le ferai en vidéo, hein, sans souci. J'ai ouvert le coffre en argent, je l'ai récupéré. Je crois que je l'ai fait en vidéo, pas. Non, j'ai pas fait en vidéo, je l'ai fait hors vidéo. Bon, après, j'ai pas eu légendaire, donc ça reste un petit coffre, mais voilà. Donc là j'ai bientôt 500 gemmes, ça c'est cool également. Et puis donc voilà, on se retrouvera ben, sûrement pour l'opening de ce coffre là si je fais pas mal de victoires. Et puis ensuite le coffre de clan, le coffre à couronne et pourquoi pas le super coffre magique. Si j'y arrive assez rapidement, il faut quand même 500 points de quête, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao.